Exactement, bienvenue sur la chaîne des villes en général. Je ne sais pas si le son va être bon ou si je dois le reprendre plus tard. Donc nous allons faire un tour sur ma petite partie et découvrir un peu les Sims 4 que j'aime bien, ça détend, ça change. Alors pourquoi pas faire partager? Alors vous voyez, moi j'ai déjà quelques mods dedans, un petit peu. Pour améliorer le jeu. Alors je vous présente ma partie. Elle va se concentrer ici parce qu'en fait nous avons trois petites familles dont les trois carrières qu'on peut faire. Donc il y a Dubois, DiCapri et Flores. Donc on va peut-être commencer par DiCapri, que j'ai créé spécialement. Et puis comme ça me permet de renouveler un peu les Sims que j'ai sur ma partie. Donc voici ma scientifique. Comme vous l'avez vu, j'utilise le MC Commander version 3.0.3, qui est assez sympa, je dois dire, pour permettre de faire ville, ma petite ville tranquille. Donc là, on est en ville, elle a son petit appartement, déjà un petit chez soi. J'ai encore rien fait avec elle, il va falloir monter certaines compétences pour scientifique. Il va falloir monter le bricolage, la logique et pas mal de choses et faire deux fameuses découvertes pour pouvoir faire monter notre avancement. Alors... Ah, la demoiselle n'a même pas de bibliothèque pour pouvoir s'acheter des bouquins. Peu cher. On va lui en mettre une petite bibliothèque. Voilà, comme ça, ce sera pas une adulte. Elle pourra se faire des petits bouquins. Donc, on va citer nos deux premiers bouquins dans les compétences. Un petit peu de bricolage. Et on va prendre la logique. Voilà. Donc, elle a ces deux petits bouquins. On va commencer à lui faire lire plus la logique pour la faire augmenter dans ses dans son travail. Là vous voyez, on a plein de nouveaux trucs là. Je peux tricher sur les émotions. Voilà. Mademoiselle, elle devient concentrée car là, ça va l'aider à faire les découvertes en fait. Pouvoir valider donc notre tâche de promotion. Dans 4 minutes. Donc on a fait une découverte sous la douche. Rejoignons. Vous allez voir le laboratoire, il y a déjà des plantes parce que j'ai d'autres persos en scientifique qui sont passés par là. Donc il y a un petit peu d'avancement. Donc expérience du jour, bienvenue au laboratoire Futur Sim. Pour vous occuper à réaliser des expériences fondamentales à la recherche de nouvelles.
nouvelles technologies et peut-être même interagir avec des extraterrestres. Votre travail consiste à optimiser les performances matérielles scientifiques de très haut niveau pour le bien de tous. Nous espérons que ça pour dire bienvenue. Donc là où vous voyez qu'on a déjà on a des tâches en fait. Ces tâches-là, ils vont valider notre petite jauge là. Et ça, c'est notre jauge de temps en fait. Donc, on doit préparer un sérum, faire une analyse et demander un cristal à un collègue. On va voir Tobias. On va se présenter. Oh yeah. Alors. Danger. Bonjour Tobias. C'est Karina. Comment ça va? Ah, on va lui demander donc un cristal. Wabarani Bayumi. Shibu on a mob. Tanaka? Et un cristal. Inequipped. Torkachusa? Gaba. Donc là, dans notre petit inventaire, on va voir le fameux cristal qui est là, cristal de soir. On va faire une analyse. L'analyse se fait dans ce cet appareil. Faire une analyse. Pour faire le sérum, ça va être sur le laboratoire ici. Donc. Luke Sine. The Moin. Oh. Ah. Ça c'est fait. On va rencontrer Savannah. Alors, elle est pas si la petite coquine. C'est qu'elle est. Bon, elle est trop loin. Donc on va faire la connaissance de Roxy. Ah, j'ai vu qu'il faut demander un cristal aussi, tu vois. Calme. Faire connaissance. Voilà. Et on va préparer donc notre sérum. Nourriture synthétique. You can numb it. Falabo, skunk laughing. Nerxka, Sharag, Mazani. Sibawum Flareeb. Bliss Brainum. Ah tiens. Je l'ai mis en monde un bébé. Donc. On va mettre un peu les murs, ça me permet un peu de voir les trucs derrière. Donc là, on est en train de faire notre sérum de nourriture, c'est promis. On verra bien si ça marche. Et avant, on va analyser un cristal. Comme on en a récupéré, on va pouvoir faire analyser une collection et Ruby. Voilà. Et on va demander un métal à Oxy, hein, vu qu'elle est à côté. Hein. Et que bon, je sais pas ce qu'elle fait, soit elle est en train de pirater, soit elle est en train de discuter avec on sait pas qui. Ah bah c'est lui, bon, tu vois. Donc là il est 14h23 et on finit à 19h, donc on va rajouter du temps juste en appuyant ici. Pour pouvoir nous permettre de monter la progression. Ce sont les risques du métier. Éteignez-moi s'il vous plaît.
Je suis un peu cramée. Petit accident. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je crois qu'il va falloir quand même que j'aille me débarbouiller un peu. Peu cher. Première expérience avec, elle a failli mourir dans les flammes. Bon, je vous rassure, c'est rare quand ça arrive. Donc on va la laisser prendre sa douche, hein, la demoiselle. On va demander donc notre cristal. Un peu cher, c'est la première fois que ça m'arrive. Ils ont jamais flambé au laboratoire de chimie. Hein. Bon, faut dire aussi qu'ils étaient un peu plus élevés dans les capacités. Parce que là, si vous regardez, on est vraiment light. Hein. Il y a du 1 de partout, sauf du 2. Hein. Peu cher. Voilà, c'est débarbouillé, la meilleure mine. Donc on va continuer notre truc. On va demander donc notre métal à Sébastien Robert, une fois qu'on sera présenté. Salut, c'est moi qui ai fait cramer, comment ça va? Alors tu te remets de tes émotions? Super. Donc un métal. Donc là on va faire analyser une collection et on va analyser notre cristal. Et après on va, donc il faut raconter des ragots sur les collègues. Avec Sébastien. Allez vas-y. Raconte tes ragots et retourne-y. Lamina Galpa Wittini. Inu Planar. Nulis. Oh, Jarbin de Cool. Je sais. Shuna. Shunigua. Allez, on va discuter avec le robot. Et on va peut-être essayer de refaire de la nourriture synthétique, vu que l'autre machin il a cramé, bien sûr. Voilà. Ah. Eh ben non, je peux pas, je travaille. Je peux pas aller au festival. Donc vous voyez, hein, là, ça monte, c'est la compétence. Donc c'est ma compétence de logis, vous voyez que c'est en vert. Donc, c'est ça là qu'en fait qui est en train d'être travaillé. Donc il va falloir monter la logique. Le bricolage pour éviter bien sûr que ça nous pète sur la gueule comme on a fait tout à l'heure. Et au fur et à mesure, là vous voyez, on a trouvé un autre métal, un autre matériau. Si... un autre cristal. Qui est là. Donc cet outil va nous servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. On a fini par là avec le robot. Alors là, vous voyez, la jauge, elle clignote. Ça veut dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour le travail. Donc on va rallonger. Vu qu'en plus, on a eu un petit contretemps. Donc, analyser un fruit ou une fleur. Hop. Ah, je peux pas. Ah. Je suis pas assez haute en fait en jardinage pour pouvoir récolter en fait une... Ah. Pour le microscope, mais ça c'est pas très grave. Donc on va faire analyser la flore. Voilà. Bon, j'espère ce coup-ci elle va pas se foutre le feu. Hein.
Allez, vas-y, on y croit, te fous pas le feu. Pied. Yeah. Décidément, elle va pas y arriver, hein. Elle est vraiment pas douée, hein. Bon, faut dire aussi, elle a peu en logique. C'est pas terrible. Donc là, on va analyser notre fleur. Et on va discuter avec Sébastien, là. Donc ce que j'ai fait sur Indifférent Sims, qui était en carrière scientifique, mais bon, ils sont en couple, ils avaient plus de sous déjà. J'ai emménagé un petit coin laboratoire, ce qui lui permet que quand elle travaille pas, avec l'analyseur, elle peut faire des découvertes et avancer aussi dans les objets à collectionner. Il y a des... On te fout pas le feu. Voilà. On va faire une expérience au laboratoire. On va discuter avec Sébastien qui est parti je sais pas où. Elle va le trouver de toute manière. Non, si. Non, bah il est peut-être rentré chez lui, bon c'est pas grave. Bon, elle va retester de faire un sérum. À voir ce que ça donne. Allez, Coco, on y croit. T'es concentré, tu vas y arriver. Donc là, notre travail, il a été rallongé jusqu'à 21h. Et là, il est 19h47. Ne te fous pas le feu. Allez, plus qu'une heure de boulot et vous voyez la jauge elle est presque au maximum. Sure, Mel. Allez, te fais pas crier. Oh, wow. Ah, elle a réussi. Alléluia. Allez, fais une expérience. Yes. Bon après pour faire monter le converteur à l'impulsion, donc c'est les. Vous voyez, c'est les machins qui sont là. En fait c'est ça. Il va nous falloir des pièces. Qu'on récupère soit sur les trucs, quand on répare quelque chose, ça fait un petit taille, on peut récupérer des pièces. Ou soit on peut les acheter, on peut les commander directement sur internet. Si on a la flemme. Whoa, whoa. Ah, Biara. Voilà, c'est bien. Tu t'es pas foutu le feu. Ouais. Donc là, la journée, elle est finie. 20h55. On a failli finir en toast. Mais on a eu notre promotion, donc elle gardait un peu plus de sous. Elle a droit à des nouveaux vêtements, un truc qui s'appelle Voyage dans les étoiles, et sa prochaine journée commence donc demain à 10h. Et voilà pour la journée de travail de Carla qui a failli finir en toast. Alors, dans les bonus qu'on a reçus, donc nouveaux vêtements, voyage dans les étoiles. Voyage dans les étoiles, vous trouverez dans la partie donc inventaire du foyer. Et c'est une affiche. Et côté nouveaux vêtements, voyons voir ça. Donc, on clique sur le... Hop. Commande du sim. Modifier la tenue de carrière. Donc moi je rappelle, j'ai le MC Commander sur le jeu qui me permet de gérer ma partie tranquille avec les personnages que je joue pas et qui peut être sympa. Donc voilà, en fait juste on a débloqué donc notre tenue de
de laboratoire. Moi, je peux changer les chaussures, tout ça. Hein. On peut changer la couleur. Non, on peut pas. Non, voilà. On va sauvegarder le foyer parce qu'elle a failli cramer la peau. Je sais pas si je l'avais fait. Et voilà. Donc c'est fini pour cette première journée de travail de notre Carla qui a failli finir en toast grillé et ne plus être sur cette partie. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.